Bonjour, on va traiter un exercice sur le fonctionnement du levage. Plus précisément sur la fonction avec tangente et quelques limites. L'exercice est constitué de deux questions. La première, c'est calculer deux limites. Limite de x acte tangente de x moins p sur 2x quand x tend vers plus infini, plus ici. Une limite de la racine cubique de 2x plus 3 moins la racine carrée de 2 plus 6 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1. Pour la deuxième question, résolvons R quelques équations qui contiennent, bon, sur ce, les équations du fonction. Bon, on va commencer par la première question. On va calculer cette limite. Bon, on a arc tangente du x plus arc tangente de 1 sur x pour x positif, négatif est égal à moins pi sur 2, quel que soit x inférieur strictement à 0. Donc, arc tangente de x est égal à moins pi sur 2 moins arc tangente de 1 sur x. Donc, limite du x, arc tangente du x plus pi sur 2, x quand x tend vers moins l'infini, il est égal à limite du x, on va remplacer arc tangente par sa valeur, c'est moins pi sur 2, x moins arc tangente de 1 sur x plus pi sur 2x quand x tend vers moins l'infini qui est égal, on va développer cette expression, donc est égal à la limite de moins x pi sur 2 plus moins x arc tangente de 1 sur x plus pi sur 2x quand x tend vers plus infini. Ici, ce sont deux nombres opposés, donc la somme est égale à 0. Est égal à la limite, moins limite, de arc tangente de 1 sur x, de plus sur 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à moins limite de arc tangente de 1 sur x sur 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc est égal à moins limite de arc tangente de t sur t quand t tend vers 0 qui est égal à moins 1. Donc, limite du x arc tangente du x plus p sur 2x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins 1. Maintenant pour l'autre limite, on pose a de x est égal à la racine cubique de 2x plus 3 et b de x est égal à la racine carrée de 2 plus 6. Bon, limite de la racine cubique de 2x plus 3 moins la racine carrée de 2x plus 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1. Quand x tend vers moins 1, cette expression, nous avons en gros 2 multiplié par moins 1, c'est moins 2 plus 3, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc on va élever cette forme indéterminée. Donc c'est égal à limite de a de x moins b de x sur x plus 1
quand x tend vers moins 1. Q est égal. Maintenant, on va multiplier en haut et en bas par l'expression en 8 de a du x moins b du x facteur de a du x puissance 5 plus a du x puissance 4 b du x plus a puissance 3 b du x puissance 2 plus a du x au carré. Pardon, on va essayer de... est égal à la limite de a de x moins bx facteur de a puissance 4 de x puissance 5 pardon de x a puissance 4 de x b puissance b de x plus a puissance 3 de x b carré de x plus a carré x b 3x plus a du x plus bx puissance 4 plus b puissance 5x. Sur x plus 1 facteur de a puissance 5 a puissance 4 x bx a puissance 3 x b carré x plus a carré x b puissance 3 x plus a du x b puissance 4 x plus b puissance 5 x. Et si mon x tend vers moins 1 qui est égal à la limite. Bon, a. Moins le facteur de a puissance 5 plus a carré a puissance 4 b plus a puissance 3 b carré plus a au carré b puissance 3 plus a b puissance 4 plus b 5 est égal à a puissance 6 moins b puissance 6. Sur h x plus 1 avec, bon, cette quantité, on va l'appeler h de x. On va l'appeler h de x, donc est égal à la limite de la racine cubique de 2x plus 3 puissance 6 moins la racine carrée de 2 puissance x puissance 6 sur x plus 1 facteur de h de x quand x tend vers moins 1 qui est égal donc. Et si limite, pardon, limite de 2x puissance 3 puissance 1 tiers de 2 puissance 6 moins la racine carrée de 2x puissance, pardon, 1 demi de 2 puissance 6 sur x plus 1. H de x quand x tend vers moins 1 qui est égal à la limite de 2x plus 3 au carré moins du plus x puissance 3 sur x plus 1 facteur de h de x
fois d'exponent R moins 1. Bon, on va développer ces expressions. Bon, 2x plus 3 au carré est égal à 4x carré plus 2 multiplié par 2 multiplié par 3, donc c'est 2x plus 9. 2 plus x cube est égal à 2 puissance 3 plus 3 multiplié par 2 au carré multiplié par x plus 3 multiplié par 2 multiplié par x carré plus x cube qui est égal à 8 plus 2x plus 6x carré plus x3. Donc 2x plus 3 au carré moins 2 plus x au cube est égal à 4x au carré plus 2x plus 9 moins 8 moins 2x moins 6x carré moins x3 moins 2x moins 2x 6x moins 4x moins 6x carré donc c'est moins 2x carré moins x3 et moins 9 c'est plus 1 donc est égal moins x3 moins 2x carré plus 1. Bon, on va diviser maintenant ce polynôme par x plus 1. Bon, nous aurons moins x3 moins plus x carré plus 1 divisé par x plus 1. Donc, est égal à moins x carré. Moins x carré, c'est plus x3 plus en plus x carré. Donc, c'est moins x carré plus 1 moins x carré divisé par x, c'est moins x. Moins x multiplié par moins x, c'est plus x carré. Moins x multiplié par 1, c'est moins x. Donc c'est plus x ici sur. Donc x plus 1. X plus 1 divisé par c'est 1, donc 0. Donc, limite de la racine cubique de 2x moins plus 3, pardon, moins la racine carrée de 2x plus x sur x plus 1 quand x tend vers moins 1 est égal, bon, à cette quantité. Cette quantité n'est rien d'autre que moins x3 moins 2x carré plus 1 divisé par 2, donc on aura limite de x plus 1, bon, sur h de x ici, pardon. X plus 1 facteur de moins x carré, moins x plus 1, sur x plus 1 facteur de h de x, quand x tend vers moins 1. On simplifie par x moins 1, donc est égal à 8, de moins x carré, moins x plus 1, sur h de x. Bon, h de x n'est rien d'autre que a puissance 4 plus, pardon, a puissance 5, pardon. A puissance 4 de x, bx plus a puissance 3 de x, b carré x plus a carré x, b 3x plus a x, b puissance 4x plus b puissance 5x quand x tend vers moins 1. Bon, limite de a de x quand x tend vers moins 1 est égal à limite
Bon, donc là, racine cubique, le 3 des x plus 1, quand x tend vers moins 1, cette fonction est continue au moins 1, donc est égal, la racine cubique, de 2 multiplié par moins 1 plus 3, qui est égal à la racine cubique de 3 moins 2, c'est 1, donc c'est la racine cubique de 1 qui est égal à 1. Donc, limite de 1 puissance 5x quand x tend vers moins 1 est égal à la limite de 1 puissance 4x quand x tend vers moins 1 qui est égal à la limite de 1 puissance 3x quand x tend vers moins 1 qui est égal à la limite de 1 carré x quand x tend vers moins 1 qui est égal à limite de a du x quand x tend vers moins 1 qui est égal à 1. Bon, limite, le b du x est égal quand x tend vers moins 1 est égal à limite b du x racine de 2 plus x quand x tend vers moins 1 est égal à racine de 2 moins 1 est égal à racine de 1 qui est égal à 1. Donc, limite de p puissance 5 de x quand x tend vers moins 1 est égal à limite de p puissance 4 x tend vers moins 1 qui est égal à limite b du x puissance 3 quand x tend vers moins 1 qui est égal à limite de p carré x quand x tend vers moins 1 qui est égal à limite de b du x quand x tend vers moins 1 qui est égal à 1. Donc, nous, limite de la racine cubique de 2 plus, de 2x, pardon, plus 3, moins la racine carrée de 2x plus 1 sur x plus 1 fois x tend vers moins 1 est égal. À la limite. Bon, puisque la limite du dénominateur est finie, on peut séparer du limite différent de 0, donc on peut séparer du limite. Donc, limite de moins x carré moins x plus 1 quand x tend vers moins 1 sur limite de h du x quand x tend vers moins 1, donc est égal. Donc nous avons moins 1 au carré, moins moins 1, plus 1, sur, en bas, la limite de h du x, c'est la limite, c'est la somme des limites, donc il est égal à 1 puissance 5 plus 1 puissance 4 multiplié par 1. Bon, qui est égal, pardon. On a déjà signalé ici. Donc, qui est égal à 1. Plus 1 multiplié par 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 1. Plus 1. Bon. 4, 5, 3, 2, 1, 5. Qui est égal donc. Moins 1, pourquoi laisser moins 1 avec ce moins, donc est égal à 0, pour laisser en gros. Moins moins 1, c'est 1 sur bon, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc 5 jusqu'à 0, donc c'est 6.
égale à 1 sur 6. Donc, limite de la racine cubique de 2x plus 3 moins le plus x sur x plus 1 moins x tend vers moins z est égal à 1 sur 6. Voilà pour la première question, maintenant on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est pour résoudre les équations fonctionnelles. Voilà la deuxième question. Résoudre, dans R, les équations suivantes. E1, arc tangent carré de x moins 5 arc tangent de x est égal à moins 6 plus 2. La racine cubique de 1 plus x moins plus la racine cubique de 1 moins x est égal à 2. Bon. Bon, pour 2. E2 est équivalent à arc tangent carré de x moins 5, 5, c'est 3 plus 2. Arc tangent de x plus 6, 6, c'est 2 multiplié par 3 est égal à 0. C'est équivalent à arc tangent carré de x moins 3 arc tangent du x moins 2 arc tangent du x plus 2 multiplié par 3 est égal à 0. C'est équivalent à arc tangent du x facteur de arc tangent du x moins 3 moins 2 facteur de arc tangent du x moins 3 est égal à 0. Est équivalent à arc tangent du x moins 3 facteur de arc tangent du x moins 2 est égal à 0. Donc nous avons un produit qui est nul, donc c'est la défaction est nulle. Donc arc tangent du x moins 3 est égal à 0 ou arc tangent du x moins 2 est égal à 0 est équivalent à arc tangent du x est égal à 3 ou arc tangent du x est égal à 2. Donc est équivalent à x est égal à tangent. Bon, on voit tangent est une fonction, est une application, donc on aura tangent de arc tangent de x est égal à tangent de 3
à x est égal à la tangente de 3, où x est égal à la tangente de 2. Donc, l'équation E1 a pour ensemble de solutions S est égal tangente de 3, tangente de 2. S est égal à tangente de 3, tangente de 2. Pardon. Bon, E2. Bon, tout d'abord ici, on va déterminer l'ensemble du définition de l'équation. Voilà la racine de 3 plus 1 à x. Plus la racine cubique de a moins x, cette quantité appartenant à R est équivalent à la racine cubique de 1 plus x appartenant à R et la racine cubique de 1 moins x appartenant à R. Bon, est équivalent à la racine cubique de 1 plus x appartenant à R, c'est 1 plus x, il est supérieur ou égal à 0. Et 1 moins x, il est supérieur ou égal à 0. Donc, ceci est équivalent. Donc, ax est supérieur à moins 1. Ici, x inférieur à 1 est équivalent donc à x compris entre moins 1 et 1. Bon, donc, moins 1, 1, E2 est équivalent à, c'est l'ensemble des définitions de l'équation, est équivalent à. Racine cubique de 1 plus x plus la racine cubique de 1 moins x le cube, cette quantité du cube est égale à 2 au cube. Donc, c'est équivalent à racine cubique de 1 plus x le cube plus 3 racine cubique de 1 plus x au carré, facteur de la racine cubique de 1 moins x, plus 3 la racine cubique de 1 plus x, la racine cubique de 1 moins x, plus la racine cubique de 1 moins x cube, est égal à 8. Est équivalent, donc ici 1 plus x, plus bon, ici au carré, non. Ici on va factoriser par 3 1 plus x le cube racine de 1 moins x le cube. Donc il nous reste racine de 3 1 plus x plus racine de 3 1 moins x plus 1 moins x. La racine cubique de 1 moins x cube est égale à 1 moins x, donc x moins x est égal à 0, 1 plus 1 est égal à 2, cette quantité est égale à 8. Non. Donc est équivalent. Bon, cette quantité est égale à 2,
Donc on a 2 multiplié par 3, c'est 6, donc 6, racine cubique de 1 plus x, racine de 1 moins x au cube, est égal 1 plus 1, c'est 2, est égal, donc 8 moins 2, c'est 6. Bon, on va diviser 6 divisé par, on va diviser le membre de cette égalité par 6. Donc on aura 8 équivalent à la racine cubique de 1 moins x, facteur de 1 plus 6. Bon, ceci est équivalent. A1 au carré moins x au carré, la racine cubique, le cube est égal à 1 au cube. C'est équivalent donc A1 moins x carré est égal à 1, donc c'est équivalent. A moins x carré est égal à 0, donc est équivalent à x carré est égal à 0, donc est équivalent à x est égal à 0, d'où S, l'équation devient ceci, ceci, c'est 0. Donc, l'équation E2 admet une seule, pardon, solution et c'est égal au simple tension. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.